Donc ciao tout le monde, on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Hot Pursuit. On va envoyer le pâté. Donc je suis avec un pote en plus, c'est le record d'un pote, le mec c'est un PGM sur Naruto, donc son jeu aussi. Ça fait très très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. J'avais oublié qu'il y avait ce truc. Et que c'est très difficile à contrôler et franchement je kiffe. Oh la musique est épique en plus. Parfait. Ah ça va, j'ai pas perdu mes habitudes. En fait, je t'explique, quand tu vas contre sens ce jeu, en fait, tu vois, c'est... Non, merde. Ah, voilà, c'est pour la nitro. Au calme. Ah, merde, si je me fail aussi. Donc, c'est la... Est-ce qu'on peut changer la vue? Je vais tester, hein. Merde, je me trompe de bouton. C'est là pour le boost. Il va me battre, mais donc franchement, ce jeu est tellement énorme. J'ai hâte d'avoir un nouveau Need for Speed. J'ai vu le trailer de EA là. Et je vous recommande leur service client parce que c'est un truc de ouf. Comment ils sont trop performants. Tu vois, vraiment. Je vous dis pas de conneries. Hein. J'ai rencontré un breton donc c'est trop cool. C'est RNVO devant. Il est hyper fort ce mec. Et je vois qu'il se débrouille pas mal. Le double. Pas que je me fail pas. Je suis déjà à 230 avec une niveau X. Putain merde, je fais de la merde. Que j'arrive plus trop à contrôler le parce que je vous explique, c'est fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, hein. Ça fait bien 2 ans. Mais bon, ça va, j'ai pas trop perdu les habitudes, puis j'ai bien joué, je fais course comme tu vois. Voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. Voilà, c'est aucun, t'as plus juste une fois sur X, ouais, tu fais le truc. Donc, ce jeu, c'est une force de poursuite, il a pas vraiment vieilli, tu vois. Non, je laisserai pas passer en cul. Putain, il est trop fort, il en vrai, rien, mais c'est un truc de ouf. Je suis à son niveau en fait, tu vois. T'as un mec trop fort. Non. Je te passerai en cul, hein. Ah. Bon, par contre, c'est fini quand là. C'est RN vidéo. Mais ces musiques sont épiques. J'espère qu'elles sont pas copyright parce que sinon ça va pas le faire. Normalement non, mais. Par contre, je sais pas comment on change de vue. C'est pas très réaliste, c'est arcade, mais tu vois, il est très stylé comme jeu. Bien placé, bitch. Bitch. Alors, finissez premier. Record personnel. Le mec, il avait 3 minutes 8. Ah d'accord. Ah d'accord. Donc je vous explique, ce jeu en fait c'est un jeu, c'est trop bien. J'aurais dû faire un peu, jouer un petit peu de trucs. Ah mon dieu. Donc j'avais déjà commencé le jeu mais je l'ai pas fini, donc on va faire un petit let's play dessus. C'est même pas un let's play mais tu vois des vidéos comme ça. Parce que ce jeu est vraiment énorme, je vous le dis. Tain, le mec 3 minutes 8. Comment c'est possible? Bon, elle est pas mal. Tout ouvert, c'est le 1. 2010. 3 minutes 8 et que c'est un faux conducteur. Alors, temps de jeu total 1h18. Mais je crois que je l'avais fini le jeu, je l'ai remis à zéro quoi. Ah oui, si on peut faire exploration pilote, tu vois, tu peux aller voir la map. Ah non, moi je suis arrivé loin quand même. Ça prend une voiture pour le screenshot quand même du jeu, tu vois. Si je peux la mettre en rouge. Pouah, le bruit.
J'aime ça. Après 40 années passées comme pilote d'essai, en plus, il y a tout, moi. Si ce jeu est magnifique. Balboni a reçu l'insigne honneur d'avoir une voiture à son nom. Engagé en 1967 par Ferruccio Lamborghini lui-même, Balboni a participé à la mise au point de nombreux modèles de la marque, dont la mythique Miura. Balboni l'avoue lui-même, le courant est très vite passé entre ses voitures et lui. Une Lamborghini, ça doit être précis comme une voiture de course et on doit pouvoir compter sur elle comme sur un ami. Produite à 250 exemplaires, la LP 550-2 a cette particularité alléchante d'être la seule Lamborghini de la gamme actuelle à n'être entraînée que par les roues arrière. Extérieurement, une bande blanche et or court sur toute la longueur de la voiture en partant du capot, à la manière des voitures de sport des années 70. Quand je vais juste tester, tu vois, parce que je sais pas comment dire, comment on va sur... J'espère que c'est... Moi, franchement, oh putain, je jouis là, je jouis avec le bruit de la voiture. Là. Ça me manquait, ce genre de jeu. Alors, attends, y a pas un bouton pour aller en vue intérieure? Normalement. Ah, c'est des photos, ça. Ah oui, d'accord. Pour une photo comme ça, d'accord. D'accord. Ça, je le passerai. On se retrouve tout de suite pour la suite. Tirée des systèmes de la SCPD, cette arme le plus souvent fatale est éjectée par l'arrière de votre voiture. Si votre voiture roule sur la herse, elle sera endommagée et donc immobilisée pendant quelques instants. Attention au timing et faites du mieux possible. Votre véhicule. Normalement, je prends l'aspect sur même sur ce n'est pas sur le rival que je jouais tout à l'heure. Demain, je jouais ou sur PS4. Je prends l'aspect direct. Lorsque la cible est confirmée, le système d'affichage tête haute vous indique quand le système est en service. Ok. Alors. Prenez place, vous plaît. Le code de la vitesse. Elle est top secrète, on va la prendre. Oh, le bruit de monstre. Performante au quotidien. Du coupé qui a redonné tout son sens à l'expression voiture de sport. Donc je vais faire un live de 30 minutes après. Donc RNVO, ok, le boss. Donc je ferai un live sur PS4 demain. Voilà, c'est tellement étonnant. Sur Need for Speed Rivals. Sur Need for Speed, le prochain qui va sortir. Faire aussi ce qui va être magnifique. Si vous voulez m'ajouter sur Xbox Live, n'hésitez pas, même si je joue plus beaucoup. Surtout à Naruto. Et je. Alors que je joue. Ah, mais sérieux. Ah oui, ça y est, une barre de rechargement pour l'heure. Enculé, l'esquiver. Ouais, donc il y a les policiers là. Au plancher. D'accord. Oh, j'ai passé. Si on prend une, je vais prendre le raccourci à gauche là. D'accord, je fais de la merde.
Ah, le fils de pute. Moi aussi, j'ai fait de la merde. Putain, en plus, c'était mon jeu, merde. Putain, je perds trop de vitesse, je perds trop de temps. Mon dieu, oh non, ça va. Putain, ils m'ont défoncé le cul. Je sais plus jouer aussi au jeu, excusez-moi, mais. Voilà quoi. C'est compliqué. Je suis plus du tout habitué à jouer sur la manette de PSK et Xbox. Ta gueule, toi. Connard. Tu me défonces la gueule. Connard. Je le péter. Ah oui, quand on pète quelqu'un, en fait, on a le boost à fond. Là, je l'ai violé. Deuxième. Ça a pris un des deux. Par contre, c'est un peu con, tu vois, c'est qu'ils ont tous la même tête. La sensibilité est pas top là, je sais pas comment j'ai réglé le mode. Je crois y avoir fini le jeu, tu vois, mais. Voilà. Du coup, je parle pas beaucoup, mais je suis concentré. Mais... Ta gueule, tu me sens à rail, toi. Bitch. Voilà. Premier. Putain, mais le mec il fait 3-19, mais comment c'est possible? Le mec est trop fort. Alors, je bloquais quoi? Ah ouais. Oh, il voit. Pas mal. Ouais. Que c'est un jeu de 2010 aussi, hein. J'avais testé la une des voitures. L'Aveyron. La Bugatti Veyron 16.4 fait partie des voitures les plus emblématiques de ce début de siècle. Il fallait que le moteur développe. Ouais, 2000 chevaux. Et je vous dis dans le jeu là, l'Aveyron elle est hyper galère. C'est normal aussi, c'est des voitures un peu rapides. Elle va à 400. Il y en a une autre qui a doublé l'Aveyron, je crois, maintenant en vitesse. Ça va à 428. Tout le cul. Oh la vitesse qu'elle va. Faut que je me rabiche à combien. En fait, faut appuyer juste une fois sur X, tu vois, faut pas appuyer beaucoup de fois. Parce qu'en fait, t'appuies trop longtemps, ça part en couille. What the fuck? Enfin, un avion, tu vois, c'est ok. Désolé. Ouais, je m'excuse la gueule. Moi aussi j'étais à 300.
prendre une photo maintenant, vous êtes fond d'écran. Non. Voilà. Donc je reprends tout de suite. Donc on se trouve à faire pilote, course. Voilà. La joie à l'état pur. La BMW Z4 S-Drive est l'interprétation moderne de grands classiques comme la BMW 315-1 des années 1930 et la BMW 507 des années 1950. La suspension M adaptative permet de passer la puissance au sol sur toute la plage d'utilisation du moteur. Une simple pression sur l'accélérateur et vous entendrez d'autant mieux les vocalises du 6 cylindres biturbo que vous roulerez à ciel ouvert. En résumé, un roadster dans la plus pure tradition BMW, du capot moteur allongé à l'arrière musclé. Oh, le conducteur n'a plus qu'à se convaincre que le chemin le plus court jusqu'à sa destination est aussi le plus réjouissant. Oh lolo, elle l'a conduire. On a eu le bruit. Alors, Zulour, c'est bagnole. Mais RNVO, il a battu tout le monde, un truc de ouf, lui, il met 30 secondes d'avance. Mec, c'est un peu j'aime sur Naruto, mais c'est un peu j'aime sur tous les jeux en fait. Pff, c'est dégoûtant. Bref. Plus j'ai que lui en ami. Hein. Sur ce jeu. Ouais, ping, ping, ping. Ouais, la main. J'arrive pas à venir prendre les virages. C'est pas que je prenne du dérapage en voiture. Bien défoncer sa gueule. Ah le fils de pute! Bien sûr faut que j'ai une voiture devant moi, tu sais. Mon dieu que je chante. C'est franchement pas très facile à contrôler, je sais pas, je trouve, c'est le... En fait, je trouve le gameplay lourd par rapport à GTA par exemple. C'est pas facile.
Je parle pas beaucoup. J'essaie de l'avoir ressorti de virage, lui. Ah ouais, quand même. 1:47. Seconde 47 que. Moi, je suis un pro de ça, je fais plein de trucs comme ça. Bam. 3:27. Je l'ai battu. J'ai battu Red VO. Oh, ce que je lui ai mis Red VO, je lui ai mis 10 secondes. Aussi, c'était beau la course là. Franchement, elle était belle. Je les ai gérées. Hein. Vous avez vu, je m'améliore. Ah, ça, c'était, ça faisait plaisir. Ce que je leur ai mis, tu vois, à la fin. Iskaer, je la connais cette voiture, je crois. J'aime pas trop. Oh, qu'elle est moche. Oh non. Ouais. Coûte cher quand même, 96 000 $. Hein. C'est pas donné. Hashtag. Ah, c'est trop bien en fait, je me bats contre RNVO. Là, c'est la Porsche. Je vais aller voir info. Simple idée, née dans les stands du Mans au soir de la 16e victoire de la marque, les ingénieurs Porsche ont réalisé un concept car doté de tous les progrès technologiques possibles et imaginables. Mais finalement produit à 1270 unités, la Carrera GT aura fait plus d'heureux que prévu. Dotée d'un châssis autoporteur en fibre de carbone capable de faire passer ses 603 chevaux au sol, la Carrera GT, plus légère que la plus svelte des Porsche actuelles, rouge. Atteint 323 km/h en pointe. Esthétiquement, okay. La supercar la plus belle de ce jour est bien une Porsche. L'avant, si typique, est fendu de trois entrées d'air indispensables à la circulation des masses dans et autour de la voiture. À l'arrière, les deux bossages qui recouvrent le moteur sont en grillage d'acier inoxydable. Oh là là, bagnole de ouf. Ah oh, si je l'aurais cette bagnole en vrai, j'aurais aussi ma vie. Là quand même, je suis content de l'avoir battu de 10 secondes. Ça c'est classe. C'est fort, attendez. Ah oui, c'est la course contre la montre là. Tac, pied au plancher. On y va. Merde. Ah voilà, ça sert à rien de prendre le raccourci de merde. Tu vas beaucoup moins vite. Yeah, yeah. On a pas trop. Pendu là. On verra le nitro au virage, tu vois.
convertisseur mais c'est compliqué avec cette bagnole. Donc comment est-ce qu'il faut que je le batte? Donc il faut qu'il prenne le virage. Rien ne vous oblige à drifter. Ah ouais, d'accord. Ah oui. C'est vrai qu'il a raison. Il n'est pas obligé de drifter. Bon. Je vais pas drifter là. Bon, je reste en contre-sens, mais c'est chaud. Il y a des voitures qui arrivent, mais c'est chiant. J'ai pas envie de prendre des virages, tu vois, des trucs comme ça, là. Je prendrai pas de virage, ça sert à rien. Et merde. Ah non, en fait, on est pas ralenti tellement que ça. Mais comment il était aussi vite? C'est pas possible. What the fuck, j'étais plus rapide que l'autre. Comment il avait pour aller en 18 lui? Bon. Bon, je vais te faire des courses du jeu, tu vois. Pas envie de jouer contre un vidéo, c'est chiant. Alors. Mais c'est obligé, c'est qu'il y a un vieux, tu es trop fort. Je commence à l'avoir la première, elle devait pas être à fond. Je prends le bruit qui est fait. Avec le Boxster Spider, les ingénieurs de chez Porsche ont réalisé un rêve de longue date, à savoir la mise au point d'un retour en rose plus original, sportif et authentique que tous les autres. Par sa légèreté et son équipement qui ne tolère aucun luxe, il incarne un salutaire retour aux fondamentaux du plaisir automobile. Pour animer cette merveille, le légendaire Flat 6 de 3,4 litres a été installé juste devant les roues arrière.
avec seulement 1275 kg sur la balance. Pour la beauté. Bien mieux que les deux autres modèles de la gamme. Très vif et agile, le Boxster Spider excelle lors des changements d'appui. Pas de climatisation, pas de radio, pas de porte-boisson. Quand c'est une voiture de course. Angle en guise de poignée dans les contre-portes. Cette Porsche, la plus légère de toute la gamme, fait revivre l'esprit de la légendaire Porsche 550 Spider des années 50. Non, c'est vraiment une vraie Porsche de course, tu vois. Ce que je trouve dommage dans le jeu, en fait, c'est qu'il n'y a pas de vue intérieure. C'est ça le problème. Parce que moi, j'aime bien la vue intérieure, tu vois. Pour un DTDA, il se fait... Ah, j'ai pas lu. Putain, il a fait 2 minutes 57, putain, il est trop fort ce mec. Allez hop. T'es vieille musique. Je vous explose votre gueule. Ça, j'aime prendre la voiture dans le mur dans la gueule tout à l'heure. Ça, mais il me trace, un truc de ouf. Attends, je vais prendre le raccourci. 3, 2, 1. Pas puissante cette bagnole, c'est un vieux ouf ou... Par rapport aux autres, hein, c'est 30 vents. Merde! Je voulais pas lui rentrer dedans, je voulais l'esquiver, mais j'ai pas réussi. T'es chaud, hein, le jeu de course là est hyper chaud. La NVO il fait pas des courses de merde. Hein. Putain, mais je l'ai percuté, sans faire exprès. J'ai compris comment prendre les virages. Mais non, putain, je vais me faire avoir à cause de ça alors que j'avais le temps. Non, oh, je recommence, je m'en bats les couilles. Non mais j'avais le temps, c'est pas possible. Putain, il faut que je la prenne à la fin, c'est la voiture. Putain, c'est pas possible. Ah putain de merde. Ah, fait chier. Putain, je dois 100 mètres de trucs et puis je me prends une bagnole à la fin, n'importe quoi. Bonsoir. Allez. J'espère pas l'entrer. La merde.
Mais what? Normalement dans le jeu, par exemple dans Rival, on peut péter les murs comme ça. C'est pas impossible à casser. Je la merde la musique. Ah celle-là je la kiffe, c'est la musique du début du jeu. Cette musique me donne la puissance. Faut que je dise ça. Vas-y, c'est compliqué, hein. Tout à l'heure, j'ai fait une belle course. Pourtant, j'aurais pas pris la voiture, j'aurais pas tué RNVO. C'est pas possible. Attends, je vais vous montrer la cinématique aussi, mais c'est pas grave. Faut que je me mette en contre-sens directement, peut-être donner trop. J'ai l'aspect du mec. Ouais, c'est fort comme une Mercedes à gauche. Vous avez tous vu. Forever. Les musiques sont tellement épiques. Je te passe troisième. Je vais finir premier. Moi je connais pas les paroles. C'est bien. Je passe à droite. Non. Putain, j'ai fait manquer un vidéo. 3 minutes, 3 secondes près. Bon, il est fort, il a dû. Enfin, je sais comment il a gagné. Il a pris de l'autre côté. Parce qu'il y avait de l'aspi. En 3 minutes, hein. Putain, tellement épique ce jeu. Ah, j'ai bloqué une nouvelle voiture. Une nouvelle série. D'accord. Dites-moi si vous voulez un let's play de ce jeu aussi. Tout faire un let's play sur Need for Speed Rivals, mais. Mais c'est le cas. D'accord. C'est quoi ça? Oh là là, une Corvette! Oh, elle est magnifique. Oh, je la prends direct. Ce bruit en plus qu'elle fait la Corvette, c'est comme la coquette, on voit plus vrai. Parce que la coquette, si vous savez pas. Attendez.
Donc il monte celle-là, une course. D'accord. Bon, Renvé Haute, vous avez vu, c'est vraiment un mec, il conduit comme moi, tu vois. Alors. La plus rapide, c'est laquelle? C'est la Spider. Non, la plus rapide, c'est la Gran Turismo S, la Maserati. Après, il y a la 911. Ah non, c'est mes voitures. D'accord. Ah d'accord, elle a pris la première place du speedo. Ah carrément, ça marque, c'est comment il a pris, quelle voiture qu'il a pris. Pour le bruit. Quand la frontière entre concept et réalité disparaît en beauté. Après 7 ans d'absence dans le catalogue du manufacturier, Chevrolet relance le nom de la plus populaire de ses muscle cars des années 60, la Camaro. La SS culmine au sommet de la gamme avec son V8 de 6 litres 2 et pour la première fois sur une Camaro, des suspensions indépendantes à l'avant et à l'arrière. Ainsi équipé, le pilote bénéficie d'une... Et dites-moi si vous voulez un espèce de Need Speed Rebels, ou pour tuer ce truc, parce que Need for Speed Rebels c'est un truc magnifique. Je vais faire un... je vais en faire un display, et un display sur la prochaine Need for Speed, j'en ferai un aussi. Le toit en deux parties. Ce jeu, j'ai pas trop envie de faire la paix, tu vois, parce que je l'ai déjà fait. Mais comme Need for Speed Rebels, je vais me lâcher, je vais jouer demain, je vais faire la paix dessus. Juste une vidéo découverte comme ça, parce que je l'ai que ça à foutre. Puisque le magasin où j'ai acheté mon PCF card n'ouvre que dans une heure, donc j'ai le temps de faire cette vidéo. Intérieur. Intérieur, c'est pas. Intérieur. Attends. Où c'est la cinématique, je suis regardé. Attends, l'intérieur... D'accord. J'ai compris. C'est en allant tout droit en fait. En plus ça marque la musique à gauche, vous avez vu. Enculé. J'arrive pas à conduire. Hein. Quel enculé de merde ce troisième là! Putain! Il a explosé sa gueule, hein, ce connard! T'es deuxième toi maintenant! Putain, mais ils prennent des virages et tout là. Faire des kilomètres comme ça, tu sais.
Putain, pourquoi je perds que le premier? Ah, oh, putain de merde. Voilà. Encore, j'ai pas vu qu'il y aurait une vidéo possible. J'ai déjà conduite. Ok. Donc on a 30 minutes de vidéo. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Ciao et peace. Et à bientôt pour une vidéo sur ma chaîne.